3 erreurs de débutante. Si tu es débutante, je suis quasiment sûre que tu fais l'une de ces erreurs. Et si tu es débutante, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je viens de créer une formation de 7 jours que je souhaite t'offrir. Elle est totalement gratuite. Elle dure 7 jours, mais tu peux la faire plus rapidement si tu le souhaites. Il y a le lien juste sous cette vidéo. Dépêche-toi, je ne sais pas combien de temps je laisserai cette formation gratuite. Elle va sans doute devenir payante très rapidement. Donc, profites-en tant qu'elle est offerte. Et j'ai même la plupart des élèves qui ont fait cette formation qui m'ont dit qu'elles ont appris plus que durant la formation en centre qu'elles avaient fait. Donc, c'est vraiment le moment. Donc, on passe tout de suite à la toute première erreur. Donc, quelle est cette erreur? Eh bien, c'est de mettre trop de gel sur les côtés. Je te montre tout ça tout de suite. Alors, la première erreur consiste à mettre trop de gel sur les côtés. Alors pourquoi mon ongle semble plus large à ce niveau? C'est tout simplement que lorsque j'ai posé ma capsule américaine, en fait c'était il y a environ 2-3 mois, le bord de ma capsule est ici. Et du coup, vu que j'ai fait un peu ma fainéante, eh bien j'ai fait 2-3 petits remplissages par-dessus. Et c'est vrai que j'ai à chaque fois remis un peu de gel par-dessus sans vraiment m'occuper de la largeur de mon ongle. Ce qui fait que là, en fait, il semble plus fin à ce niveau-là. Bon d'ailleurs, hein, voilà, là ça fait 3-4 semaines, faut vraiment que je fasse le remplissage. Mais là, ça devient un petit peu large. Donc mon ongle, en fait, ce qui se passe, c'est que... Hop, je vais essayer de dessiner un ongle rapidement, voilà, je vais me mettre au milieu. Mon ongle naturel donc est censé être comme ça. Je sais pas si vous entendez Tilou derrière, mon petit chien. Il est en train de me ruiner toutes mes feuilles là, c'est dingue. Donc là en fait quand on va poser le gel, souvent le gel a tendance à glisser un petit peu sur les côtés, et c'est normal, c'est la gravité. C'est pour ça que ça peut être intéressant quand on fait une pose de gel, attendez, je vais refaire la mise au point. Voilà, désolé, je bouge un peu, de venir retourner l'ongle pour que en fait toute la matière vienne reglisser. Pour ça il faut que le gel glisse bien. Donc il faut des gels qui soient pas trop épais pour pouvoir faire ça. Pourquoi ça glisse souvent à ce niveau-là? Tout simplement parce que c'est ici qu'on a le plus de matière, puisque c'est là qu'on veut avoir notre bombé. Et tout le reste ici va être plus fin et de plus en plus fin. Et ici ça va vraiment être au niveau de la cuticule la partie la plus fine. Donc il faut pas du tout. Aïe aïe aïe, Tilou! Mais oh non, il fait un vrai carnage. Je vous montrerai à la fin ce qu'il fait, c'est une horreur. Et donc du coup ici il faut vraiment qu'il n'y ait aucun bombé. Donc souvent, hop, trop de matière sur les côtés et souvent aussi trop de matière vers la cuticule. Donc comment faire ça? Eh bien tout simplement avec sa lime, on va venir déjà limer bien les parallèles de cette manière là, donc avec la ligne bien droite, mais ensuite on va venir pencher également sa lime pour venir relimer la matière sur le côté. Et là vous allez voir, bon ça va être très moche hein, puisque du coup voilà, je mettrai pas la finition, je vais pas refaire tout ça, mais il faut imaginer que là c'est comme si je faisais ma construction. Donc je vais venir à chaque fois limer en venant repositionner ma lime. Voilà, donc pour celles qui se poseraient la question, c'est une lime grain 100-180. Donc là, je suis sur le grain 100. Enfin, je touche toujours hein, pour savoir. Ah, là, c'est plus fin, c'est 180. Là, c'est plus épais, c'est grain 100. Et du coup, il va falloir que je retravaille un petit peu ma forme aussi, puisque en fait, on arrive sur quelque chose ensuite qui va être plus arrondi sur l'avant. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et souvent quand je dis à mes élèves, là c'est un petit peu large au niveau des parallèles, c'est pas forcément que la parallèle en elle-même, c'est aussi toute cette matière qui va venir glisser. Voilà, donc là je le fais vraiment au ralenti pour vous montrer, hein, mais forcément on peut le faire beaucoup beaucoup plus vite. D'ailleurs si vous perdez du temps sur vos poses, c'est vraiment super important de faire une formation pour comprendre en fait pourquoi vous perdez du temps. Et souvent c'est une question de l'image et d'architecture de l'ongle, puisqu'en fait on sait pas trop, est-ce que je dois limer ici, est-ce que je dois limer là, si je lime ici est-ce que c'est mieux ou moins bien, et puis du coup on perd du temps et puis on tâtonne un petit peu. Voilà, donc là en fait on va comme dire relimer toute cette matière sur le côté pour pouvoir venir affiner notre ongle. Et vous voyez que tout de suite voilà, c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment que au niveau de notre ongle on n'ait pas j'ai carrément limé par dessus, désolé, on n'ait pas en fait alors ça c'est le dessous hein.
on n'est pas en fait ça qui se forme. Souvent, on voit que hop, on a un peu quelque chose comme ça qui va se former. C'est-à-dire le gel là qui coule sur les côtés. Au contraire, il faut que notre ongle... Aïe, aïe, je suis en train d'écrire sur mon aspirateur, désolé. Il faut au contraire que ce soit presque un tout petit peu l'inverse. C'est-à-dire que hop, on ait un peu plus de bombé là et que ce soit plus fin sur les côtés. Voilà, idéalement. Alors, pas sur la pointe, hein, mais là, c'est comme si on faisait une coupe ici. Comme si je coupais maintenant mon ongle à la guillotine. On verrait que là, ça doit être plus fin sur les côtés et plus épais sur le milieu. Et là, voilà, en relimant simplement comme ça, en faisant une jolie jonction entre le bombé et mes côtés, eh bien, on va avoir quelque chose de très sympa. On n'oublie pas de retravailler, bien sûr, la forme. Et voilà, là on a tout de suite, alors bien sûr, hein, faut que je le refasse, mais vous voyez qu'on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus fin sur les côtés. On n'a plus cet excès de matière sur les côtés. Et là maintenant, simplement en passant un petit coup de bloc polissoir ou le grain 180 de l'autre côté de la lime, eh bien on aura quelque chose tout de suite qui va être beaucoup plus homogène. Et là, je pourrais carrément décider de simplement remettre ma finition par-dessus. Hein, mais là, il me manque du gel sur le haut. Donc, bien sûr, je vais pas le faire. Hein, mais admettons qu'il n'y avait pas cette repousse. Si jamais je me rends compte de ça à la fin de ma pose, bien sûr, hein, si on n'a pas de couleur ou quoi que ce soit dessus, si on a quelque chose de nude, eh bien, on peut toujours reprendre la pose à tout moment avant de mettre la finition. Ou même quand on a vu la quand on a mis la finition, on peut toujours encore reprendre un petit peu tout ça. Je suis désolée, je bouge un peu avec mon téléphone. Voilà, j'espère que cette première astuce vous aura plu et on se retrouve donc pour la deuxième très rapidement puisque je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et je vous montre le carnage de mon chien. Alors Tilou, qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait là pendant que j'étais en train de travailler? Oui, oui, des bêtises là, il y en a partout, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? C'est pas sympa ça. Non, non, c'est pas sympa. J'espère que tu as super adoré cette astuce et que tu vas justement mettre tout ça en pratique tout de suite. Je veux que la vidéo soit relativement courte, donc on se retrouve très très vite pour la partie numéro 2 avec la deuxième erreur. Je te dis à très vite, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire si ça te plaît. Et en ce moment, je fais des shorts, donc n'hésite pas à aller voir.